Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi, le 26 janvier, si je me souviens bien. On dirait que je suis toute mélangée dans mes journées. Ouais. Je pense qu'on est samedi le 26. Il est genre 10h le matin, je pense, quelque chose comme ça. 10h15. Ça fait à peu près 2h que je suis réveillée. Puis, je suis en tête à tête avec mon petit coco qui est là-bas. Puis là, il y a plein de graines de bouffe en dessous de la table à cause du déjeuner. C'est vraiment génial. Ouais, je suis en tête à tête avec mon Lio ce matin. En fait, au départ, mon chum Pimon était supposé comme aller magasiner un petit peu. Puis laisser Lionel à sa maman pour qu'il se fasse garder. Fait que ça, on voulait comme aller dîner au restaurant en tête à tête. Puis... aller faire des petites commissions, mais Lio ce matin fait encore de la fièvre et il est un peu dans le mode baboon. Fait qu'on a décidé de pas l'envoyer chez mamie parce que ben c'est ça, hier il était comme vraiment il était vraiment en mode genre je veux être dans les bras de maman. Fait qu'on dirait que je me sentais pas bien de le laisser à quelqu'un d'autre puis de tu sais qu'il soit pas comme dans ses choses. Admettons qu'il est fatigué et qu'il veut faire de dos, je veux qu'il puisse faire de dos dans son lit et tout là. C'est comme rassurant quand t'es malade d'être dans tes affaires, mais quand tu files pas. Fait que je l'ai gardé avec moi ici, puis mon chum il est allé faire ses petites commissions. Fait que dans le fond, je vais comme lui demander de regarder une couple des petites choses que j'aurais voulu regarder. Ouais, fait que je vais faire une petite liste des choses que je voulais checker. Je voulais checker une couple d'affaires chez Clément, fait que... on va voir ça. Puis quand il va revenir, je vais possiblement aller à la pharmacie parce que j'avais besoin d'une coupe d'affaires. Puis je suis en questionnement à savoir si je me fais pas une autre teinture. Parce que là, ben on le voit un petit peu là, quand il fait à la lumière, hey, à quel point j'ai pas de cheveux. C'est fou comment j'ai pas d'épaisseur. Arc! Ouais, mais... mes cheveux sont. Ils tirent vraiment beaucoup sur le orange, là. Puis, je m'en viens avec quand même une bonne repousse. Parce que mes cheveux, je suis chanceuse, ils poussent quand même vite, là. Fait que je m'en viens avec une bonne repousse. Mais là, ça fait un peu bizarre parce que j'ai ma repousse de ma couleur de cheveux. Après ça, j'ai un bout de repousse qui est un peu plus pâle. Puis après ça, j'ai comme mes cheveux semi-brun-orange. Fait que. Je trouve pas que c'est le look le plus beau du monde. Fait que je vais possiblement. Je vais possiblement me refaire une peinture, mais je sais pas encore. Je suis encore en. Je suis encore en mode réflexion. Ah mon loup? Ouais. Ce matin, je suis un peu fatiguée aussi. C'est un peu bizarre. Pourtant, j'ai bien dormi. On s'est couché quand même de bonne heure hier. Il était comme 9h, je pense, quand j'ai regardé l'heure pour la dernière fois. Même pas 9h. Puis, c'est ça, je vais se réveiller vers 8h ce matin. Mais je sais pas, on dirait que je me sens... on dirait que je me sens un peu endormie. Mais tu sais, il y a tellement de petits microbes au travail que ça m'étonnerait pas que je couvre de quoi. C'est que je suis en train de le combattre. Parce que peut-être que lui, il l'a pogné. Oui! Bonjour! Vous êtes qui, vous? Ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Je vais vous amener avec moi aujourd'hui. Tu veux-tu venir voir maman? C'est rendu qu'il grimpe sur le divan. Ben là, monte pas mes boobs, ça. Oui, viens là, mon loup. Viens t'es baboune, là. Ben oui! Mes petites dents! Petites dents! Ouais.
Aujourd'hui, c'est comme pas pire dans le sens que au moins il y a un peu d'énergie là. Genre il se promène puis il explore. Il fait des grimaces, il rit. Tandis que hier, il babounait là. Il se pitchait à terre, il faisait le bacon pour tout. Bon! Bon, je pense qu'il veut grimper sur le divan. Je pense que je vais l'aider. Bon, il a abandonné le projet. Fait que je vais vous laisser pour l'instant. Je pense que je vais peut-être mettre quelque chose à la télé ou aller me faire un deuxième café. Ou... Je sais pas encore. On va explorer ça. Hein, mon loup? Oh là là, ça n'a pas d'allure. Je l'aime assez. Fait qu'à plus tard. Il est où mon nez? Il est où mon nez? Mon nez? Non, ça c'est ma face. Il est où mon nez? Ow! T'as pas trop fort! Non! Comme là, j'ai-tu filmé? Oui, je pense que j'ai filmé un petit peu quand je m'entraînais. Dans le fond, j'ai fait un entraînement des abdominaux de 15 minutes. Puis après ça, j'ai décidé de faire du cardio. Fait que j'ai fait de la danse avec The Fitness Marshall sur YouTube. Puis genre, j'étais tellement dedans que j'ai dansé pendant genre 40 minutes. Fait que c'est ça, j'ai fait environ une heure d'entraînement en tout. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dîné, j'ai entretenu mon poil parce qu'il fait genre moins 25 dehors. Puis là, j'étais en train comme de vider de la vaisselle puis de commencer ma petite vaisselle. Mais premièrement, mon chum m'a appelé, fait que j'ai répondu à son appel. Et deuxièmement, je pense que bébé se réveille. Fait que je vais aller voir. Ça fait genre... Il est à l'heure, il est 1h30. Je l'ai couché à... Un instant, il m'a regardé ça. Ok, alors je l'ai couché. Il a fait vraiment un gros dodo. Je l'ai couché vers 11h. Ça fait 2h25 qu'il dort. S'il se réveille, on va aller voir. Je l'avais entendu pleurer, mais il a peut-être genre pleuré puis il s'est endormi. Ça y arrive des fois, la nuit, là, il fait comme ah, il pleure genre 30 secondes puis il se rendort. Comme s'il avait fait un mauvais rêve ou quelque chose. Fait qu'en tout cas,
Je serais m'essouffler. Je vais rester attentive à ça de toute façon, là. Vu que ça fait genre 2h30 qu'il dort, il doit être sur le bord de se réveiller. Le pauvre coco, il était tellement brûlé tantôt, là, ça fait pas d'allure. Oh là là! Il est rendu 2h15, puis je viens d'aller chercher cette bébête-là. Oui. Hein? Ah. Oh. Arrête de me donner des diapes! Ah, fait que je suis allée le chercher, j'ai changé sa couche. Puis là, vu qu'il y a 2h15, on dirait que je vais comme pas le faire dîner. Tu sais, je sais comme pas trop, là. Fait que je vais voir s'il est intéressé par un snack. Fait que genre de la compote de fruits et des affaires comme ça. On va voir qu'est-ce qu'il a le goût de manger. Puis on va s'amuser ensemble. Il fait plus de fièvre. J'ai pris sa température en changeant sa couche. Puis c'est ça, il fait plus de fièvre. Il est à 37,3. Fait que je suis super contente. Son gros dodo lui a vraiment fait du bien. Hein, mon loup? Mouah! Donc, je viens de préparer un petit snack. Il y a du concombre, du fromage, des clémentines. Puis je vais voir selon ce qu'il a le goût de manger. Je vais peut-être soit y en rajouter ou lui donner autre chose. Je vais voir. Parce que c'est ça, là, ces derniers jours, il voulait pas vraiment manger. Fait que j'ose comme pas y faire des trop grosses portions pour pas qu'il jette tout par terre. Il est rendu 7h le soir. Ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas parlé. En fait, en après-midi, ma mère est venue faire un tour chez moi. Fait que est venue s'amuser avec moi et Léo. Fait que c'est ça, j'ai passé du temps avec elle. Puis après ça, mon chum est revenu de magasiner. Il était environ 5h15. Je pense qu'il était 5h15 quand mon chum est revenu. Puis ma mère est partie pas longtemps après ça. C'est ça, j'ai un Léo dans le fond. Léo, oh, je me suis quasiment mis un doigt dans le nez. J'ai un Léo qui faisait plus de fièvre quand je l'ai levé tantôt. Il me semble que je vous l'ai dit. Mais pendant que ma maman était là, il était peut-être 4 heures, j'ai repris sa température parce que je le trouvais chaud, puis il était remonté genre à 38,5. Fait que t'as un peu poche. Il a presque pas voulu manger pour souper encore. Puis là, il est couché. Fait que c'est ça, mon chum est allé magasiner aujourd'hui. Il a fait des super beaux achats pour lui. Il est allé à l'aubainerie. Il est allé au Old Navy, Zara. Puis au Spring aussi, il s'est acheté des bottes. Je pense que c'est pas mal ça le magasin qu'il a fait. Puis il m'a montré ses vêtements tantôt, puis c'était super beau. Fait que puis c'est drôle parce qu'il est vraiment sorti de sa zone de confort. Là. Mon chum, il est du genre à s'habiller là, au Village des Valeurs, puis au Walmart. Tu sais, il y a pour son dire, genre que le moins cher qu'il paye, puis qu'il veut avoir l'air différent, puis tout. Mais là, il est allé magasiner avec deux de ses amis, puis tu sais, ils l'ont amené, c'est ça, chez Zara. Ils l'ont amené dans une couple de magasins, genre, qui était jamais allé pour lui-même. Puis ses amis l'ont conseillé, puis tout. Puis comme là, il s'est acheté comme deux morceaux chez Zara, je pense. Puis les deux étaient en spécial, fait qu'ils ont même pas coûté 20$. Fait qu'il a pu voir qu'il y avait moyen de s'habiller ailleurs pour pas cher, finalement. Fait que c'est super drôle. Puis c'est ça, il voulait comme des morceaux un peu plus habillés pour le travail. Puis ça fait super bien. Il a full l'air genre d'un adulte, je sais pas, ça lui fait vraiment bien. Puis il avait l'air super satisfait aussi, fait que ça me rend bien heureuse. Bébé pleure. Non! Ouais, puis c'est ça, il a fait des petits achats de vêtements pour bébé à l'aubainerie. Mais là, ils sont déjà dans le lavage parce que j'ai parti me brasser de linge de Léo. Fait qu'il a acheté ça. Il a acheté aussi deux couches! J'avais demandé si jamais il les voyait chez Clément de les acheter. Entre autres parce que celle-là, de la petite ours, qui est paresseuse, était plus disponible sur le site de la petite ours. Fait que il l'a trouvée. Puis l'autre que je trouvais super belle, c'est celle avec les lamas.
Fait que c'est ça, il a acheté deux couches. Il a acheté des vêtements, il a acheté comme deux pantalons puis deux chandails. Puis il a aussi pris le petit matelas assiette, le, pardon, Easy Peasy, dans la couleur genre vieux rose, beige, brun, c'est comme dur à décrire, mais en tout cas, il a pris cette assiette-là à ma demande également. Puis il est vraiment gentil, ça me tentait pas de sortir tantôt. Fait que il est ressorti pour moi. Puis il est allé m'acheter des petits trucs au Jean Coutu. Mais aussi, il est allé au Sephora pour moi, à Québec. Puis il m'a acheté ceci, qui est de Whey. C'est une mousse de texture sèche. Fait que c'est comme une mousse volume pour les cheveux. Mais tu la mets quand tu as les cheveux secs. Puis ça fait comme rajouter de la texture puis tout. Fait que je voulais essayer ça. Parce que c'est ça, moi j'ai comme plus d'épaisseur de cheveux, rien. Fait que je vais essayer de trouver un moyen de faire quelque chose avec ça. Puis j'avais aussi demandé d'autres produits. Ils les avaient pas en stock. Fait que ils ont commandé. Va falloir que je prépare un lait à Léo, je pense. Il est fâché. Ouais, je pense que je vais aller m'occuper de mon bébé. Puis je vais vous montrer la suite, la suite après. À tantôt. Évidemment, j'ai fait chauffer son lait. Je monte en haut, il pleure plus. Il s'est rendormi. Fait que c'est ça, hein? Donc, ouais, mon chum, il est ressorti pour aller faire mes petits achats au Jean Coutu. J'avais besoin de petites tablettes comme ça pour laver ma laveuse. Parce qu'avec les couches lavables, c'est vraiment important de laver notre laveuse une fois par mois. J'ai perdu. Ensuite, je lui ai demandé de me racheter du maca. Comme ça, ça fait quoi? Trois semaines? Deux, trois semaines que j'en prends à tous les jours? Deux semaines, je pense. Puis, ça fait vraiment bien. C'est peut-être un effet placebo, je ne sais pas, mais je me sens plus énergique. Je me sens, genre, mes journées se font mieux au travail. Fait qu'en tout cas, j'ai demandé de m'en racheter. Puis finalement, je lui ai demandé une peinture. Fait que j'ai regardé un petit peu, puis j'ai fini par choisir celle-là. C'est la L'Oréal Paris Supérieure Préférence, la 18 Copenhague. Fait que je sais pas si c'est considéré quoi. Blond moyen cendré. Mais ça apparaît toujours plus foncé qu'est-ce que c'est vraiment. Fait que je vais sûrement me faire ça tantôt. Mais là, premièrement, je vais faire un peu de place sur mon divan. Ça, c'est mes draps qui sont propres. Ça, c'est mon chum qui s'est acheté ça au Dollarama tantôt parce que les trois boys avaient faim. Fait que ils ont mangé ça cet après-midi en magasinant. Je vais mettre ça dans le garde-manger. Excusez, on voit absolument rien. Et voilà. Ouais, fait que je vais faire un petit peu de ramassage dans le salon et dans la cuisine. Puis après ça, je pense que je vais possiblement faire ma teinture. En tout cas, je sais pas trop ça va être quoi les étapes de ma soirée, mais je vais commencer. Je me suis dit que je pourrais vous montrer comme les petits morceaux que mon chum s'est acheté. Je les ai pas toutes avec moi, puis là, il y a genre le reflet de la lumière au-dessus. En tout cas, je les ai pas toutes avec moi parce qu'il y en a une partie en haut dans le panier de lavage qui est déjà mis là, puis il porte une paire de pantalons. Mais c'est ça, il a pris comme des... Là, l'éclairage sera pas le best par contre. Ouais. Fait qu'il a pris une paire de pantalons style jeans, foncé. Fait que c'est vraiment genre bleu, très foncé. Ils viennent de L'Aubainerie. Chez Old Navy, il s'est pris des pantalons comme en tissu. Puis on voit pas vraiment la couleur, là, mais c'est comme gris bleu, vert. En tout cas, la couleur est vraiment cool. Puis c'est ça, ils sont un peu... plus tissu là, que jeans. Je sais pas s'ils disent le matériel.
98% coton. En tout cas, c'est vraiment des beaux pantalons. Chez Zara, il s'est pris comme un petit cardigan. Qui est tout simple, il est genre brun vert. Vraiment, l'éclairage est très pourri, là. Mais c'est un cardigan qui a la possibilité d'attacher s'il veut. Mais sur moi, ça a l'air un peu particulier. Mais il est vraiment super beau. Finalement, il s'est acheté comme une chemise style un peu militaire. Elle est kaki. Elle a comme des poches style cargo, là. Je sais pas si on va les voir, là. Elle est vraiment belle. Je me perds dedans, là, mais elle est super cute. Vraiment, ça y fait super bien. C'est ça, les deux monstres de chez Zara. Ils étaient genre 19$, je pense. Puis c'est ça. Il a genre l'air d'un... Je disais tantôt qu'il avait l'air d'un adulte. Parce qu'on est vraiment style jeans t-shirt, lui et moi. Fait que ça fait comme spécial de le voir porter autre chose. Mais ouais, si jamais votre copain se cherche des vêtements un peu plus habillés, chez Zara, il y a vraiment des belles choses. Je dis ça de même. Rendu 10h05, puis je viens d'écouter un Grey's Anatomy en pliant des couches. Mon panier est à quelque part là-bas, j'ai plié des couches. Puis j'ai parti aussi à ma laveuse avec une pastille pour la nettoyer. Fait que ça va être fait, ma laveuse va être propre pour mes brassées de vêtements demain. Je suis allée entretenir mon poil. C'est ça, dans le fond, j'ai fait ma teinture. Après ça, j'ai pris ma douche pour rincer ma teinture. Et j'ai mis de l'auto-bronzant. Puis là, oh Seigneur, j'ai l'impression que ça l'a encore fait comment on appelle ça en anglais? La hot root, là. Dans le fond, que la racine est plus pâle. Fait que si ça l'a fait ça encore, je vais essayer d'aller... me chercher une autre teinture demain pour régler mon problème parce que ça m'énerve. Puis là, je suis en train d'ouvrir mon ordinateur. Puis je vais importer des clips, des vlogs que j'ai tournés cette semaine. Puis je vais peut-être commencer un petit peu de montage. Peut-être pas. Je sais pas, ça va dépendre. Tantôt, j'étais allée faire mon lit parce que j'avais lavé mes draps. J'ai aussi parti mon diffuseur. Fait que je suis comme en questionnement là, à savoir si je commence à monter mon vlog ou si je vais faire dodo. Je sais pas. Faudrait que je fasse mon yoga. C'est vraiment un court yoga aujourd'hui. C'est 13 minutes, je pense. Fait que ça va se faire super rapidement. Mais bref. Je pense que je vais... Faut que je la vois dans le miroir. J'ai pas l'impression que ça va changer grand chose. Ouais, je vais vous conclure mon vlog ici. Fait que je vais vous dire un beau gros merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé une belle journée ou une belle nuit. Puis on va se revoir bientôt. Bye!